Belle sa vie, c'est trop dangereuse pour se promener seule. Mais si vous êtes arrivé aussi loin, vous pourrez peut-être m'aider. Je suis le capitaine Van Dorn, responsable du groupe d'opération 4. On vient tout juste de libérer des détenus aliens très agressifs. Assez pour occuper la République dans les mois à venir. Et puis, il y a eu un léger contretemps. Les groupes d'aliens sont devenus fous, attaquant indifféremment les agents de l'Empire et ceux de la République. Il faut restaurer l'ordre au plus vite. Envoyez votre groupe d'opération sur place, qu'il défonce le crâne de quelques aliens. C'est le cas. Mes hommes sont déjà là-bas à rassembler les détenus et... Excusez-moi. Capitaine Van Dorn, j'écoute. Morts ? Tous ? Non mais c'est impossible ! Bon, arrêtez de bafouiller, Sergent ? Sergent ? Les groupes aliens ont massacré le groupe d'opération 4. On a perdu le contrôle de l'aile. Même un gamin aurait senti le danger avant de libérer des hordes d'aliens déchaînés. J'ai suivi à la lettre les ordres du commandant Kaloum. Mais on peut arranger ça. Je savais que ces aliens étaient des brutes sauvages. C'est pour ça qu'on les a libérés. Mais ils sont allés trop loin. Taillez-moi en pièces tous les gangs dominants. Que les aliens tremblent devant nous. On pourra ensuite évacuer les maîtres d'effroi. Restez ici et sécurisez l'avant-poste. Je m'occupe des prisonniers. Merci. Éliminez les gamoréens, les anomides et les gandes. Ce sont les espèces les plus féroces. Tuez assez de membres dans chaque gang, et ils apprendront à respecter l'Empire.
Les Gamoréens se cachent non loin d'ici. On va leur faire une petite surprise. Ils sont aidés de bêtes. Fige la bête, Malabar, je m'occupe des hommes. Sale bête. Viens là, toi. J'aime quand tu queen, Gamorien. Ta mort n'en sera que plus douce. Et voilà. Ils n'ont plus de matériel. Oh, oh, il y en a un qui se cache. Tête de cochon, tiens. Au suivant sur la liste du massacre. Bonjour toi. Mine de rien, ils sont costauds, ces gamoriens. Allez. Bientôt, ils ne seront plus du tout. Thank you.
J'ai failli sous-estimer celui-là. Quelques-uns là-bas. Celui de droite, Malavaï, je prends celui de gauche. Encore quelques-uns, il n'y aura plus bientôt de Gamoréens pour mettre des bâtons dans les roues de l'Empire. Maraudeur, hein. Il ne prend pas le nom béni de mon ordre sans en payer les conséquences. Et voilà pour les Gamoréens. Tous exterminés. Les Anomites se sont regroupés ici. Eh bien, exterminons-les. C'est encore plus facile que les Gamoréens, hein. Suivant, messieurs. Ouh. Tu m'as l'air d'être un sacré bonhomme, toi. On va voir si c'est vrai.
l'ai raté. Incroyable. Pas pour longtemps. En voilà deux autres. On va se faire un petit plaisir. Et les trois derniers sur ma liste. Je pense qu'on peut dire que c'est du bon travail, mon cher Malavaï. Allons rejoindre le capitaine Van Dorn. Je pense qu'il sera content. Ces gangs d'aliens y réfléchiront à deux fois avant d'attaquer l'Empire. J'espère que vous vous êtes bien acharné sur ceux qui agonisaient. Les détenus aliens sont meurtris, brisés, terrifiés par l'Empire. C'est tout ce qu'on veut. Mais je connais ces criminels. Ils reprennent vite du poil de la bête. On doit faire en sorte que leur plaie reste à vif. Mais on n'a pas assez de main-d'œuvre pour ce genre d'action disciplinaire. Dénichez un gang d'aliens bien vicieux et donnez-leur du grade. Ils soumettront les autres. C'est une idée répugnante. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas d'autre solution. La plupart de ces aliens sont des brutes sans cervelle, sauf les trains de champ. Ces guerriers obéissent à un code d'honneur et de la compétition très strict. Ces idiots vénèrent une déesse, la gardienne des points, qui selon eux récompense l'honneur. Ce sont de vrais fanatiques. Maintenant, ils rôdent dans l'aile. Ils traquent le gros gibier. Les Trandoshans doivent leur liberté à l'Empire. Ils nous doivent des comptes. Ils n'accepteront pas docilement de nous aider, Excellence. Il faudra faire appel à leur esprit de compétition. Les Trandoshans ne résistent pas à un valeureux adversaire. Ils vous craindront. Mais l'occasion de tuer un puissant Sith sera trop tentante. Défiez leur chef en duel et exigez qu'en cas de défaite, sa tribu soit réquisitionnée pour servir l'Empire. Ils nous obéiront pour l'honneur. Les Trandoshans obéiront bientôt à l'Empire. Merci. Plus vite on verrouille cette aile, mieux ça va. Les Trandoshans ont bâti leur forteresse dans un bunker. Saccagez cet endroit et défiez leur chef. Que ces voyous s'inclinent devant l'Empire. La suite au prochain épisode.